Danny Elbow! 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 Relax for a minute and have a smoke break. When you stressed out, light up. Have a smoke break. You know you ain't got no cake. You got no weight. Think about it while you take a little smoke. What it do, what it does, smokers? Ici votre animateur Floss, a.k.a. The Reefer Man. Aujourd'hui, je suis avec une personne très spéciale. Je pense que c'est la nouvelle vedette montante de Montréal. J'ai GPS avec moi. En forme? What it do? Qu'est-ce que tu fais, champion? On est là, on fait du bruit, on fait du son dans la ville. On essaie le plus possible. Le plus possible, en tout cas. Moi, personnellement, je trouve que tu fais beaucoup de son dans la ville. Merci, mon frère. Merci, c'est apprécié. Alors, avant de tout commencer, toute chose, on va essayer de voir exactement qui est GPS, puis c'est quoi son amour par rapport avec le cannabis. Si on va commencer comme ça. So, GPS, mon homme, dis-moi exactement comment ton nom est venu en vie aujourd'hui. Mon nom est venu en vie, c'est l'histoire bio de vraiment back then, là, c'est depuis 4e année. 4e année, ouais, ouais. Il y avait une fille qui m'aimait beaucoup, elle écrivait toujours mon nom au complet sur sa main. Jusqu'un jour où je suis arrivé sur elle, c'était plus mon nom, c'était mes initiales. Ah. Parce que c'était trop long à écrire. C'est trop long. À force de l'écrire, là, j'ai écrit mon initial. So, j'ai demandé si c'était pour moi. Puis elle m'a dit, ouais, mais j'avais compris aussi, évidemment. Mm-hmm. So, j'ai juste décidé d'adapter. Puis depuis 9 ans, on m'appelle comme ça. So, en bout de ligne, là, c'est une femme qui t'a donné le nom. Ouais, sans qu'elle sache. Sans qu'elle le sache, puis là tu l'as pris, puis tu l'as embrouillé avec ça. Nice. Puis à partir de là, est-ce que tu avais déjà commencé à rapper ou bien... Ouais. Déjà? Ben oui, un an avant, ouais. Shit, ok. Quatrième année, on parle de quoi? Troisième année? Shit, on parle de quoi? 9 ans? 10 ans? Troisième année, j'avais 8 ans. 8? Putain, ouais, ouais, j'avais 8 ans, ouais. Puis tu commençais déjà à spit? Ouais. Puis c'était quoi? Spit et écrire, ouais. Ok, mais puis c'était quoi la première chose que tu avais écrit quand tu avais commencé à rap en tant que tel? Je m'en rappelle pas, mais je me rappelle c'était comment, c'était ou quoi, j'écrivais aussi, j'essayais de me créer un AKA aussi à ce moment-là, okay. Je m'en rappelle. Mon premier AKA c'était Pouchon de Slick. So, là, Pouchon de Slick? Ouais, c'est quoi, Slick de Chocolat, t'étais ton rappeur ou quoi? C'est ça, des AKA qui n'a pas rapport. T'as juste pas rapport. T'étais jeune. Ouais, c'est ça. Même JCR. Je me rappelle, j'étais dans un genre de carnet, j'écrivais, mais c'était rien de... De vraiment sérieux. Ouais, vraiment sérieux. Tu faisais ça par passion, j'imagine? Oui, vraiment par passion, puis aussi j'avais 50 Cent. C'est 50 Cent. À cette époque-là, vraiment, 50 Cent était chaud. Ben oui. Ça, c'est vrai, ça. Puis, là, t'as rappé depuis la troisième année. Putain, troisième année, là, carrément. Puis là, maintenant, t'arrives à l'adolescence. Ouais. T'as commencé à fumer du buzz. Quand exactement? Secondaire 2. Secondaire 2, ouais. Ok. Ça veut dire à peu près 13, 14 ouais, ans. J'avais 13 ans, ouais, j'avais 13 ans. Mais j'ai eu mon bad trip à 13 ans. J'ai my bag. J'ai juste my bag. Non, on veut savoir exactement c'était quoi ton bad trip, mon homme. Oh, yo. Ça, il faut que tu nous partages ça. J'étais avec ma soeur, avec une de ses amies. Puis là, de ce temps-là, comme si je fumais du buzz, mais en vrai, je n'y allais pas. Mais je pensais littéralement que j'étais high là, je voyais que mes yeux étaient rouges, j'avais des petits yeux, mais on dirait que c'était juste un film. Ouais, c'était un film, on dirait que c'était juste un film là, rendu là. Jusqu'à un moment où j'étais avec ma soeur justement, puis son ami, puis là on a fumé ce qu'on appelle un purple kush. Ah, ça c'était ma prochaine question, j'allais dire, est-ce que tu te rappelles du stream? Ben oui. Ça c'est un purple? Ouais. Là je fume, là je suis... Ginal, là c'est un long L, bah ben, Ginal pour de vrai, ma soeur me dit non, il faut que t'aspires. Ouais, là je le fais, mais je pensais déjà savoir le faire, j'ai juste, je suis là, jusqu'à un moment donné, il y a un coke, je bois le coke, en fait un Sprite, je bois le Sprite, dès que j'ai fini de boire le Sprite, c'est à ce moment-là que ça m'a hit. Ça, direct? Direct, et j'ai demandé à ma soeur s'il y avait de la cocaïne. I can't feel my face. La dope. Je te dis, je me rappelle parce que c'était... Parce que le high était tellement intense. Yo, c'est trop fou là. Explique-moi un petit peu comment tu l'as ressenti ce high là. C'est comme si je vois l'affaire, jette le bail, je rejette le bail, je redépose le bail, puis à ce moment-là, blaou, 3D. 3D, là, je suis devant 3D.
Là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu te sens léger, tu te sens lourd. Ouais, exactement. Tu léger, commences à avoir une sueur froide. Sueur froide, exactement. Uh-huh. Là, ma soeur me fait ce qu'on appelle la boîte magique. C'est quoi ça, la boîte magique? Puis là, yo, je suis en train de dérailler dans le cas. Là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je commence à rire. Mais là, je lui ai dit, mais je sais qu'est-ce que tu fais. Je lui ai dit, je sais que t'es en train de faire des conneries, mais ça rentre dans mon brain, puis comme si ça me fuck up, là. Yo, bro, je dis, non, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. So, j'imagine après ça, t'as dit, oh, fuck that. J'ai dit, fuck that. J'ai dit, fuck that. Puis t'as, combien de temps que t'as arrêté de fumer après ce moment-là? Je suis sûr que c'est juste comme, un mois. Non, mais sincèrement, c'est comme on peut dire, genre 3-4 mois. Mais entre-temps, j'avais fumé. 2-3 mois. Ouais, c'est juste que je disais exactement. Je disais souvent non. Mm-hmm. Mais quand j'étais dans mon verre, j'allais, ok. Une pof. Mais là, le high était en avril 2011. Il se rappelle spécifiquement des dates. Ça veut dire que ça l'a choqué. Ouais, ça m'a choqué, bah oui. So, je pourrais dire vers juillet 2011, là, j'ai recommencé. T'as recommencé. Ouais. Et quand t'as recommencé, c'est quel string qui était populaire à ce moment-là? Sincèrement, c'était Lemon Kush. C'était Lemon Kush, hein? Ouais. C'était beaucoup plus de Sativa qui commençait à arriver. C'est ça, ouais. Moi, j'aime. Mais c'est ça, moi, Lemon Kush, Jean-Guy. C'était deux weeks que t'aimes. C'est ça que so, si je comprends bien, c'est Sativa ton. Ben, exactement. Je l'ai pas dit, mais okay. Avec ces deux boss-là, c'est déjà. Je vois déjà ce que c'est. Ouais. Surtout, t'es une personne là que depuis que tu filmes, il faut que tu sois fonctionnel. Puis tu fais ce que t'as à faire, puis tu peux faire ta journée. Ouais. Moi, j'aime ça rire. Ok. Donner des blagues. Puis souvent, quand je suis sur Sativa, là, je crie dedans, là, je fais des conneries. Je dis de la merde, je fais le monde rire, autrement dit. Tu fais le clown, quoi. Ouais, je fais le clown. Mais aussi. Mais c'est dans ta personnalité de faire rire les gens. Ouais, mais aussi, c'est aussi dans ma personnalité. Déjà, partant. Ouais. Déjà, partant, c'est dans ma personnalité. Oh. Mais c'est positif. Ça me rend positif. Je fais la vaisselle, le ménage, tout, là. Mais ouais, live, là. Tu vois, c'est. En aucun cas, ça rend inapproprié. Tu vois? Il est quand même fonctionnel quand il filme, tu sais, quand même. Ça va. Mais là maintenant, t'as commencé à fumer, t'as recommencé à fumer le Jean-Guy puis les Main Kush. Est-ce que tu as commencé à reprendre le rap, genre sérieusement à ce moment-là, en 2011, 2012? Ouais, mais oui, mais pas comme vraiment à la vue des gens sur YouTube. Parce que, mais je veux dire, mais il faut dire que l'internet n'était pas vraiment en pointe en 2010, 2011, 2012. Ouais, mais c'est fou parce que je mens en même temps. Parce que avant même, quand j'avais 11 ans, 10 ans, je faisais des affaires sur YouTube. J'ai des affaires qui sont live sur YouTube. Ah ouais, tu faisais quoi des genre de la musique. Ah, la musique, c'est pas des petits lives, genre. Mais c'était des vidéos aussi. Ok. C'était bizarre. C'était comme vraiment plus d'entertainment. Parce qu'il y avait tout là-dedans. On se filmait en train de se battre, fumer dans le road, en train de marcher. Là, des petits freestyles à 11 ans. T'étais déjà quand même avancé par rapport à tout ça. Moi, je me rappelle tellement c'est fou, on m'appelait Soulja Boy. Puis effectivement, j'avais vraiment copié. Ce que Soulja Boy faisait. Ouais, okay. J'avais une vidéo de où j'ai fait le tournant de Thomas Wagon. Ben, okay, ouais. Vraiment fait le même concept. Ouais, ouais. Puis... Mais tout ça était sur Internet, des fois YouTube, des fois Facebook. Mais fait c'est pour ça que je dis que c'était pas sérieux, mais c'était ça. J'ai toujours été dans l'entertainment, entre parenthèses. Ouais. Entre parenthèses. Ok. Là, maintenant, là, ce que moi, je vais te poser comme question, je vais essayer de faire un petit fast-forward dans ta vie. C'est le track d'aujourd'hui. Là, il y a deux liens. Explique-moi la mentalité qu'il y avait derrière cette track-là en tant que tel. Parce que, waouh. Moi, ce que j'ai compris de Delir, c'est comme si tu parlais de Laval, mais le côté genre obscur de Laval. Ouais. En tout cas, tu l'as bien représenté de ma part. Mais moi, je veux savoir exactement, c'était quoi ta mentalité derrière cette track? Moi, c'était quoi ma mentalité? Ouais. Mais tu l'as dit. Moi, j'aime la question. Parce qu'il y a vraiment une mentalité. Ouais, à la base, c'est que j'ai fait 2-3 beats qui, qui parlaient à peu près de mon lèle. Okay. Similaire, mais je savais pas si j'allais faire une mixtape. Quoi, c'était juste des beats. Jusqu'à temps que j'ai vu que les beats étaient similaires, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire une mixtape pour le voir.
Mais le beat de Lia n'était pas là. Il n'était pas inclus dans le temps. Pas, ouais, il n'était pas inclus. Okay. Jusqu'à un point où est-ce que c'était la fin d'année pour les jeunes. Et ils m'ont dit, ben yo, beau, fais une vidéo là-bas et puis tout ça. Mais je regardais les beats que je voulais qu'ils soient dans la mixtape que j'allais faire, qui étaient déjà faits à l'époque. C'était ben, pas vraiment. Exactement. Okay. Fait que j'ai dit, au faut. Puis c'était le vendredi, et ils m'ont dit ça comme le lundi. Soit okay. J'ai dit, Ken, faut que j'aille faire un beat live. Soit à ce moment-là, j'ai dit, yo, vu que eux, c'est eux qui m'ont demandé par rapport à. Les, parce que je chantais les beats aussi quand j'allais les checker, les beats, ils entendaient les beats. Fait que là ils se disaient, ok, il y a Dirty Hells, ils entendaient ça dans les beats. Mais c'était pas la musique, mais ils entendaient le Dirty Hells. Je voyais qu'ils étaient un peu dans le vibe Dirty Hells quand même. Donc j'ai dit, oh, c'est quoi, vu que c'est eux à leur demande en tant que tel, j'ai dit, oh, c'est quoi, je vais leur donner. Ouais, je vais leur donner. Ouais. J'aime ça. Tu sais quelle heure qu'il est en ce moment là? L'heure du bong? Ah, j'aime ça, moi. It's time to take a smoke break. So, mon homme, j'ai le gros mal élevé qui est ici. Ron. Il est à l'intérieur fréquent. Ah, il est très fréquent, oui. Très fréquent. Il mange rien de frais. Il ne s'est pas respecté, grand boule. Il a fait gros grand boule kek, là. So, là, aujourd'hui, c'est ton tour de kek, comme tu dis. So, ici, on a du pink licorice. Ok. Ok, c'est un indica assez puissant. So, je te dis tout de suite de prendre ça l'élo. Pour pas que ça t'explose les poumons. Hein? Yaya. Wow! C'est bien lève. Yo! Pour de vrai, je pense que je vais prendre un autre. Ah! Je pense que je vais prendre un autre. Let's go! Ouais. Fais ça. Ok! Ok! Ok. Il a. Lui, tu vois, c'est comme un Pokémon. Il a évolué one time. Toi, y a pas tout ça là. Ça arrive. Oh, ok. Ok, so. Là maintenant, GPS, la question que j'ai pour toi, c'est first day out. Explique-moi l'intro de la chanson, le développement et la conclusion. Parce que waouh. En passant, il faut que je te donne un petit shout-out. Ton français, là, il est impeccable. Merci, mon frère. J'adore ça. Reste là. J'adore ça. So, bon. Oui. Yo, je sortais du gel, la journée même. Bon, je suis là, je tire avec les règles, ma gars. Il y a un de mes partenaires qui m'appelle. Yo, j'ai beaucoup de saison pour toi. Ben, hey. Ouais, mais on a dit, ben, mais yo, j'ai pas de buzz, ouais, je sais pas quoi écrire. Même j'ai essayé d'écrire entre temps, j'ai rien trouvé. Y'a rien qui est sorti. Rien. Mmh. Arrivé là au studio, ben, il met l'instru. Non, non, même pas, je peux pas dire qu'il met l'instru, non. Il me fait écouter des instrus, Diceplay, Ratch, Alain, Bagay. Ok, tous les nègres étaient là. Non. Juste les bits étaient là. Les bits des nègres en tant que tel. Fait que là, en écoutant, j'écoute un premier, je suis comme, ok. Puis c'est justement First Day Out que j'écoute justement. Je suis comme quête, ok, j'écoute, j'ai qui, ouais. Là, j'ai dit, ok, il y a un autre que j'entends. Là, je dis, ouais, lui, il est bon, ben, ok, ouais, là. Je commence à écrire sur lui, ben. Là, on me dit, mais t'es sûr que tu veux pas écouter l'autre encore? Là, tu fais, non. Non, c'est ça. Moi, je suis un mec têtu. Mais après, j'ai dit, ok, fait que je vais écouter encore. Puis en écoutant l'autre, j'ai juste remarqué que les paroles que j'écrivais rentraient mieux sur l'autre qui est First Day Out. Sur là, j'ai dit 4, ok. Premier 4 bars, j'ai cru. Ben, faut pas oublier, là, le bail de roi sur la reine, né, aussi, là, le premier verse, là, ben, il y a pas juste resté caché, là. Il a dit, oh, qu'on est sur la reine, ma gueule. Ouais, ok, tu vois. Là, j'ai dit, Chris, là, j'ai dit 4, ok. Là, j'ai dit, mais il manque un autre bail. On est chiant, là.
t'es caché, j'ai dit ok, là j'ai fini le 8 bars, j'ai dit ok j'y vais, je rentre dans le studio, ben je speed, puis c'est juste comme ça, j'ai refait un autre 8 bars, re-rentrer un autre 8 bars. Ça c'est quoi, question, 30 minutes, 1 heure? 30 minutes, ah. Ouais, 30 minutes, 24 bars, 30 minutes, même pas écrit d'avant, juste écrit live là. Puis je suis pas un mec qui fait ça, c'est pas ma manière de procéder. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'était un exploit. Ben. Pour moi, parce que j'écris pas au studio, je suis pas capable de faire ça. C'est moi ça, qui fais. Ça a l'air à elle-même là. Tu me dis en 30 minutes, t'as fait un 24 bars. 30 minutes, 24 bars, sauter ça. Et en plus avec un petit sketch en plus dedans. Mais dis-toi, mais c'est ça le petit sketch, tu vois le « Ok, ma mère m'avait dit ». Il y a une partie de ce bain-là, j'ai foiré, oui. Quand j'ai dit, je sais pas exactement où, mais il y a un moment donné, j'ai foiré. On l'écoutera ça à un moment donné. Il y a un moment donné, j'ai foiré dans le beat, mais ça a juste bien rentré. Ouais, c'est juste bien rentré. So, qu'est-ce que tu aimerais dire à les auditeurs qui nous regardent présentement à Smoke Break? Puis, qu'est-ce que ça? J'aimerais dire? J'aimerais dire que pour de vrai, c'est une très grosse émission. Big shout out Floss. Respect champion. Big shout out Floss, puis yo. Venez faire un tour, même. Venez prendre votre pause. Excusez-moi là, venez prendre votre pause, s'il vous plaît. Un bon, un petit joint, t'es posé. Oh, ça relaxe. So, c'est ici que vous l'avez entendu. C'était GPS. C'était à Smoke Break Production, people. I'm gonna leave you on this note, people. Let's take a smoke break. Cha-cha. On est des chiens enragés, tout ce qu'on veut, tu t'es caché. Si t'étais dans le field et on t'a pas mangé, c'est que tu t'es caché. Flame reste un groupe de musique, venez pas nous associer. Aucun de rue et des jeunes qui ont des fusils d'associés. What it do, smokers? Merci d'avoir écouté l'épisode. En passant, les amis, si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Et si vous voulez regarder mes anciens épisodes, cliquez là. Puis en passant dans la description, il y aura les tags des personnes qui ont participé dans mon épisode. Vous pouvez aller les follower.